Il est 21h, tu es bien dans The Big Game of Ski et on retourne friter du gros colosse dans Pray for the Gods. Ah oui, on s'en lasse pas de cette préversion du jeu. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir et il y a beaucoup de curiosités à étancher, puisque un jeu qui s'amène avec un concept déjà existant clairement repris, il part pas avec un gros avantage, sauf si là la prétention de dépasser ce dont il s'inspire. On a regardé les Colosses pour le premier stream consacré à Pray for the Gods. On a regardé l'environnement un petit peu pour le second stream, et là pour le troisième, je vais continuer d'avancer tout bêtement. Alors je vous signale tout de suite, c'est le dernier stream que je vous montre de Pray for the Gods. Pourquoi? Parce que le but c'est de pas vous dévoiler tout le jeu et pas vous gâcher la surprise. Donc vous comprendrez que je vais m'abstenir de vous faire voir plus loin, bien que ce soit pas l'envie qui manque, et on va regarder une troisième et dernière fois ensemble. Si cet univers est si envoûtant que ça. Un petit écran noir pour démarrer, ce serait bien, hein. Allez, on va se faire ça. Aujourd'hui, l'écran noir va être sponsorisé par une marque de draps gothique. Ça changera un peu. Nous y revoilà. Alors, je m'étais arrêté la dernière fois dans un endroit un petit peu quelconque où je m'étais baladé. On avait vu qu'il y avait des PNJ, on avait vu que j'avais pas mal de choses à looter, à ramasser, éventuellement crafter. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir un nouvel ami. Oui, j'ai rencontré un nouvel ami et je crois qu'on va s'entendre et ça va être l'amour. L'amour intense. Alors, je rappelle que je suis en mode facile. Pour pouvoir vous faire voir un maximum du jeu. Si on modifie la difficulté, il fait aucun doute que y a une chose essentielle qui va changer, c'est la durée de l'accroche pour rendre vos varaps un petit peu plus délicates. Et voilà mon nouvel ami. Alors, je sens que ça va super bien se passer. Cette espèce de gros truc turgescent m'a l'air très remonté. Je vais me planquer là le temps de régler les niveaux du haut. Et on devrait être pas mal. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc j'ai un gros énervé qui est vraiment énervé quoi. Je pense que si je prends un tir, il y a moyen que je sois pas très heureux de la vie. Bouge ton huc. Non, bon, descends. Si, hein, on t'est faire du pas bien. Alors, je crois que le jeu m'a refoutu encore dans une résolution à la noix. Donc je suis désolé, normalement je suis dans une résolution plus basse pour que ce soit fluide, mais là... On va se débrouiller avec ça, hein. Tant pis pour moi. Ah oui, il a l'air bien vénère. Il faudrait que je me sorte comment je peux...
c'est bien beau d'avoir un colosse, mais le tout c'est de l'approcher quand même. Il est entouré de flotte. Bon, je suis supposé savoir nager, je sais pas mieux. C'était moche ce que j'ai fait, c'est très moche. Mais j'en suis très fier. Alors, je vais me cacher à un endroit, je sais absolument pas où d'ailleurs. Je vais me planquer, hein, tel le courageux lâche. Je vais faire une petite sauvegarde manuelle. Oui. Une petite sauvegarde manuelle. Et on va changer de résolution parce que je sens que je vais avoir un gros problème. Voilà. Ça pique. Lapin, n'aie pas peur, lapin. Alors, est-ce qu'il me tire encore dessus, notre abruti? Non, apparemment, ça l'a calmé. On va se faire la petite sauvegarde légale. Je vais changer de résolution pour que ce soit plus fluide. C'est vachement important. Et puis, je peux pas sauvegarder. Ok. Bon, bah, on va quitter. Et on va relancer. Pour qu'il soit en 720p. Parce qu'avec la machine que j'ai, je peux pas me permettre de vous streamer un QHD. C'est juste pas décent. Ah, que de complications. Oui, un démarrage de stream qui se passe parfaitement. Vous avez vu ça où, vous? Non, faut arrêter les bêtises. Alors. J'ai une mise à jour qui vient juste de se mettre à l'instant pour le jeu. Il y en a pour une petite minute. Donc aujourd'hui, je vais chanter quoi? Du Queen? Au Galilée, au Galilée, au Galilée, au Figaro. Non, je ne suis pas doué pour chanter. Alors, je vous recommande la team Betrave pour tout ce qui est chant, puisqu'on a Deline qui est quand même la reine du micro. Et en plus, elle a un micro de compétition, cette tricheuse. Et elle nous fait des séances karaoké. Ça paye pas de mine comme ça hein, sur la présentation. Mais en fait, niveau contenu, il y a quand même pas mal de choses. Et mine de rien, elle chante bien. Donc si vous ne savez pas quoi faire le temps que ça est fini la mise à jour, allez sur Twitch, regardez les teams Betrave en action. Parce qu'il n'y a pas que Deline, elle a également des complices tout autour d'elle. Et c'est vraiment très rigolo. Jouer au jeu, va-t-on pouvoir? Alors, me foire pas la résolution, mon coco. Non, je ne veux pas être en QHD. On va se contenter d'un bon vieux 720p des familles, mais qui lui au moins sera fluide. Le jeu est en train de se charger, alors il y en a pour encore une minute. Il faut que je chante une autre chose. Dans le chat, aidez-moi, faites quelque chose, quoi. Des morceaux connus de préférence. Hein. Je peux vous faire du Dream Theater, mais je peux pas le chanter, je peux le faire à la batterie si vous voulez. Mais j'ai pas de batterie là tout de suite. Et non. C'est dommage. Les démarrages qui ne veulent pas. Allô? Oui? Ah, nous y voilà. Et cette fois-ci, c'est ma capture d'écran qui déconne. Non! Ouf! Ah bah ça va mieux quand c'est fluide, hein? Alors, chargé de partie. Autosave 2. Tout air de déjà vu serait parfaitement normal. Et vous savez que cet écran noir vous est proposé par un magasin de dragotique? Je l'ai déjà dit. Mais je touche des sous à chaque fois, donc il faut vraiment que je le casse souvent. Le dragotique, c'est très chiant en fait quand t'as des pellicules. Ah oui, je pense sur le noir, ça se voit. Bon, espèce de truc turgescent dans de la flotte. Il va falloir que je trouve un moyen de te faire du mal, quoi. Je vais le cacher, je vais vérifier mes niveaux. Mes niveaux sont très très bons, on y va. Yaha! Qui m'a remis résolution là. Oh non, là je suis en 720 cette fois. Allez Forest, cours. Ne regarde pas le truc. Ne va pas vers la lumière. Non. Alors, il fait des séries de 3 tirs et puis basta. Jump kick, hein. Saut de la fois, c'est parti, c'est moi.
Cours, 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 cours. Saute là-dessus. Je sais pas ce que ça fait, mais ça doit être super. Moi aussi, j'ai déclenché une énorme, une grosse, une gigantesque... Pff, regarde pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand il tape là-dedans, il a l'air d'un con. Et ça me le charge. C'est la bonne nouvelle du jour. Qu'est-ce qu'il me fait? Oulalalala. Monsieur, je vais prendre des cachets si c'est une grosse coup. Allez, je vais le mettre sur celui-là. Ça va faire quelque chose. Ça fait que dalle. Et il y a un truc qui... Qu'est-ce que c'est ça? Oh vache. C'est pas passé loin. Encore. Oh le décor! Il y a des infographistes qui ont bossé des heures pour créer ça. T'es vraiment dégueulasse, toi. Cours. Cours et saute. Hop, 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 hop. La 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 la. Oh, t'es moins malin, là. Ça fait moins malin. Et bim! C'est activé. Tu l'as, in the bab. Où c'est qu'il y en a un autre? Bon, on va dire, je vais faire mon tour, hein, les gars. Comment je vais grimper sur ce machin? Ah ben oui, la neige pour se déplacer, c'est pas ce qu'on a fait de plus. Comment dire? Pratique. Il a l'air furax. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est une grosse pousse, c'est la coupe du fumeur, ça. Faut pas fumer, monsieur. C'est mal. Faut laisser faire ça, les pros. Youhou. Non, 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 pas pour moi, ça. Non plus. Bon, moi, je l'ai senti, celui-là, hein, si je voulais savoir comment ça faisait. J'ai eu l'info. Bon, c'est activé, ça. On va pas me faire une grande mule. Non, 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 non. Ce serait dommage d'être trop mal pour les gars. Tranquille. Paisible. Ah, attention, je sais nager de toute façon. Je sais courir en nageant, regardez. Je nage comme un con. Je crois que j'ai mal de la santé parce que je dois pas être en super super forme. Et même si je le suis, je fais pas illusion. Putain, prends celui-là, il est plus gros. Oh ! Bon, j'y vais. Faut vraiment que je trouve un endroit safe. Pour me remettre de la santé, parce que ça va que trop trop pas bien se passer. Je vais me remettre ici, parce que du coup, il est emmerdé pour me tirer dessus. Et moi, je prends mon temps pour me remettre de la life. Alors, qu'est-ce que j'en ai besoin? Ça. Gloops. Re-gloops. Oh, il y avait une plateforme là-bas, oui, c'est ça que je cherchais. Parce que quand je suis monté là-dessus, tout à l'heure, ça n'a rien fait. C'est ça, c'est quand je suis gêné. Je vais là-dessus. On y va. J'ai l'idée. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire, mais j'ai l'idée. Ils sont où tes poils, gros? Donne-moi les poils. Non. Attends, on va refaire. Qu'est-ce qu'il me fait là du coup? Sois sympa dans ta colère.
T'as encore un petit bout, t'as raté ce petit bout. C'est bien, bravo lui. Alors, ça, dans ta gueule, ça t'aime pas. Et moi, je vais vite courir là-bas. Oui, il va tomber. Il tombe devant moi, c'est formidable. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je vais me le faire. Vas-y, 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 vas-y. Fuck yeah. Je ne te lâche plus, t'es mon nouveau copain pour la victoire. Oh, c'est tout douleur. Hop, 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 hop. Hop, putain. Où je vais? Où je vais? Il n'y a pas de plateforme, il n'y a rien. Oh, putain. Oh, purée. Il m'en veut. Je ne sais pas pourquoi. On pourrait être des potes. Je vais aller me reposer là-bas, il me congèle ce con. Là. Donc il pose. Hop 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 hop. Je l'ai. Ouch. Ouch. Hop 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 hop. Laisse-toi faire, ça ne fait pas mal, c'est ton corps qui change. Je vais me vautrer la gueule, je le sens. Je ne donne pas cher de ma petite life. Ma petite life ne tient qu'à quelques poils. Oh là là, mais il y en a partout des trucs. On y retourne. Je vais me le finir dessus. Sur l'herbe, te reposer, sinon tu vas tomber à la flotte, tu vas être très très malheureux. Même le panda du harcèlement sexuel sera moins malheureux que toi. Va te reposer là-bas, va te reposer là-bas. S'il vous plaît. Salut. Il n'y a pas le moindre poil pour s'accrocher ici. Phare. Ni de quoi? Bon, de quelque chose. Alors, il bouge plus du coup, le pépère. Bon, tu me diras, c'est pas avec cette clé qui va se déplacer beaucoup. Hein. Je vais retourner là-bas. Parce que je sens qu'il n'est pas là-bas. Et c'est où que l'arrivée est les plus proche là-bas. Oui, calme-toi. Tire pas dessus sinon je suis vraiment dedans. Ah putain non. Comment ça tu te cailles? Mais tu étais dans une eau géniale qui devait être à 2 degrés. C'est amplement suffisant quoi. Allez viens, on va s'abonner. Alors cette fois. Bouge pas. C'est toujours si doux. On se met. On va se caler vers l'argot là. Comme ça, je serai en position de me poser si malheur m'arrive. Mais il n'y aura pas de malheur. Hop, putain. Arrête. Tu es trop malheureux tout seul. Non. Que de malheur les amis, mais que de malheur. Il faut que je remonte comme un con. Je ne sais même plus où c'est que je trouve une chose à cogner. Et je prends des dégâts. Et je suis malheureux.
Mais je n'arrive plus à m'accrocher, mes petits doigts sont tout froids, regarde-moi ça. Oh, putain de bordel de chute. On va se reposer un bon coup. On respire. On y va. Il veut pas, hein. Il a pas envie. Il est plutôt en mode. Je m'ennuie. On garde la mon coups. Alors, on va observer la situation ici. On va voir s'il y a un morceau de l'eau, un morceau de quelque chose quelque part. Je vais courir. Enfin, je meurs, là. Ah purée. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je t'ai repéré, toi. Toi, derrière moi. C'est ma chose. Ouf. Attends. Ça va mal se passer. Ça va que mal se passer, c'est obligé. Je pense que je peux faire mes 3 coups, deux premiers 3 coups de minuit. Il n'est pas minuit, hein, regardez le montre. Je ne crois pas qu'il est minuit, mais... Laisse-moi te finir. Finishing. Non. Watch. Oh non, 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 non. Ne fais pas ça. Tu ne veux pas faire ça. Il y a un petit Il y a un truc. Je vais voir en bas si j'en ai pas oublié, des fois. Il faut que je me fasse une petite course, de toute façon mon approche va pas tenir longtemps. J'avais une expression avec le mot maman dedans. Et un acte qu'on faisait avec qui était tout à fait répréhensible et je vais m'abstenir, mais vous l'avez bien compris quoi. Alors, du coup je vais en profiter pour observer voir si j'ai. Où c'est qu'il faut que je chope des trucs quoi. Là j'ai quelque chose d'intéressant me semble. Ok, donc c'est au-dessus du premier étage. On va faire ça. Donc il y a des bonbons, apparemment il faudrait que je me remette de la santé parce que je... c'est pas ça quoi. Voilà, je vais même avoir le temps bordel. Je crois que je vais... Monsieur... J'arrête. Ah, miam. Un truc qui fait qui réchauffe, ça va être bien ça. Ça va aller mieux. Allez, on y va. C'est foutu pour lui. Ah, espèce d'énorme, gigantesque, pathétique. Alors, je monte. Faut que je monte, ça c'est clair. Mais faut vite que j'aille sur cette base numéro 2 là. J'ai repéré et qui me tombe, ce qu'on va y trouver d'ailleurs. Arrête de bouger, je t'ai dit. Et le bordel, c'est bon ça. Hop. Dis non. Et non. Tu me fais pas ça. Ah putain, je l'avais. Oh, je suis colère. Tu sais le truc que je pensais tout à l'heure avec ta maman, tu vas finir par le faire, hein. Non mais, on fait pas des trucs comme ça. En plus, c'est juste là le truc sur lequel je dois grimper. Et à chaque fois, je me cache, je me prends des dégâts. Je suis tristitude. Oui, la tristitude, c'est moi. Là. Il en peut plus, il est là. D'ailleurs, t'aurais pris, je sais pas moi, une petite planche à voile. Ça se passerait peut-être mieux, hein. Alors, ma life, c'est pas top. L'autre, il est furaxe. Et il faut dire que je bouffe. Ça, c'est quoi? Ça va pas du bien, ça.
90. Hop, encore un petit coup. J'ai plus grand chose à bouffer du coup. Et si fou lui, il veut pas descendre du coup. Il est en grève. Hop, 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 hop. Mais à moi, le mien, et mon truc. Mon truc en... Ah, là, on y va. Cette fois on le vient pas. En plus, si c'est le dernier truc qui reste à activer pour le fermier, je suis en prostitue, enfin, vraiment. Une caméra. Oh putain! Non! Mais putain! Mais non, tu ne fais pas ça! You can't do this on stage anymore! Oh le clipping! Du sommet! Ça se goupille très très mal. Je crois que je vais mettre le record du monde de dégommage, je pense. Reprends ton souffle, garçon, reprends ton souffle. Everything gonna be alright. Oui, on y croit, J'y crois donc. Viens là! Viens là, je te dis! Et du coup, je vais les connaître, les commandes à force. Hein. Ce qui serait pas drôle, c'est que je crève au moment où je vais sur le dernier interrupteur. Et là, je vais vraiment complètement foirer ce stream. Caméra! Vas-y bap, oui, tout et tout. Non mais merde, j'abandonne, j'abdique, je veux mourir. Combien de temps on a fait sur le stream? 27 minutes, c'est un calvaire. Bon, ce qui est bien du coup, c'est que je vous spoil pas la bestiole. Je sens que je vais crever avant même d'atteindre la rive. Là, le perso, il est pas cool. Regardez-moi ça, il en bat. Il boite, il a un caillou dans sa godasse, quoi. Fais quelque chose. On va trouver un petit coin plus calme. Et puis, je vais vous dire une petite conclusion sur ce jeu. Je vais même pas finir ce boss. Vous aurez le plaisir de le faire vous-même, avec vos petits doigts. Moi, je vais juste me planquer ici. Comment ça, c'est un fait? Non, pas du tout. Allez. Je maîtrise totalement la situation. Voilà. Donc on va laisser faire le monsieur là qui fait de mal. Je sais, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour discuter de ça, mais trouvez-moi un autre endroit là les gars. Où ça? Là-bas, de l'autre côté? Ok, on y va. Je vais attendre qu'il ait fini de cracher ses balles là, parce que... Monsieur! Allez, moi je vais au camping pendant ce temps. Ouh, je boite un petit peu en plus, c'est tragique. Oh, Is, ok, c'était dur. Mais quelle idée de faire ça en hiver aussi. Je sens que je vais être bien planqué là-bas. Reste là, t'es bien. Enfin, t'es bien, c'est une vue d'esprit. Ça, s'il le pète, c'est vraiment, il a des énormes, énormes. Ça irait bien avec du coup. Je vais pas développer plus, mais voilà, on va reparler du jeu, tout simplement. Alors faudrait que la musique s'arrête parce que je vais être obligé de hurler, ça va être un poil pénible. Je vais essayer de me trouver une micro, tout le monde comme ça.
crois que je vais le pousser ce lapin. Lapin, viens là. Donc, revenons au jeu. Qu'est-ce qu'on a dans l'état? On a une parfaite réussite concernant une reproduction de Shadow of the Colossus. On va pas se le cacher, on va pas se le leurrer. Le jeu est bien foutu, l'univers est assez vaste apparemment. Maintenant, il y a des grandes interrogations. Je vais revenir au menu, je vais couper la musique, mais on va faire un truc. Parce que j'ai pas envie de crier. Voilà. Ça devrait aller mieux. Donc, on a une repro parfaite de Shadow of the Colossus. On est bien d'accord. Le jeu est vraiment marrant sur ça. C'est bien fichu. Il y a les mêmes problèmes que dans Shadow of the Colossus. Hein. Donc, je vous avais expliqué sur les streams précédents quand même que c'est le genre de jeu où c'est vraiment pas simple à programmer. Parce que du moment que vous laissez une grande liberté à un utilisateur, il est capable de faire les pires conneries et de vous faire bugger le jeu très très facilement. Donc c'est vrai que arriver à refaire un Shadow of the Colossus like avec ce Pray for the Gods, c'est vraiment génial et c'est plutôt réussi. Maintenant, moi ce qui m'intrigue, où je me pose encore des questions, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous faire une histoire, une narration et développer l'envie d'explorer pour le joueur, parce que c'est pas de partir juste à la chasse au colosse qui est à l'origine intéressant. Si vous vous reprojetez sur ce bon vieux Shadow, vous vous rappelez sûrement que vous aviez fait une rencontre. Cette rencontre, c'était le cheval qui vous servait à vous déplacer et à pouvoir justement explorer les lieux qui étaient vraiment bucoliques, magnifiques. Et du coup, il y avait une relation qui se développait pendant tout le jeu avec ce cheval, puisque à des moments vous en aviez besoin pour aller flinguer des colosses. Et tous ceux qui ont parcouru Shadow se rappellent la fin du jeu, puisqu'il arrive un moment quand même qui nous a tous retournés, quoi. Ne dites pas le contraire, ça vous a fait quelque chose. Et donc, que vont-ils inventer pour ce Pray for the Gods, pour lui donner quelque chose qui le rende attachant? Quelque chose qui lui donne une autre patine que le défi d'aller déboîter des colosses immenses. Il est là le truc. Si la team dev, et surtout là on va parler plus de la partie scénario du coup, s'ils arrivent à nous coller une histoire qui est captivante, je crois que ce sera vraiment un plaisir pour tout le monde de retourner dans, même si c'est inspiré de ce Shadow-like, puisque il a tout pour être bien foutu et il a tout pour être praticable. Donc on ne demande qu'une chose maintenant, c'est être émerveillé, avoir des surprises. Et c'est pour ça que je ne vous ferai plus de stream de Pray for the Gods, puisque ça va être à vous de découvrir la suite. Il y a une autre interrogation aussi que je profite de glisser maintenant, c'est on a vu au démarrage du jeu, il y avait 5 ou 6 colosses sur les gravures, il me semble. Alors là aussi, il faudrait aussi que cette map soit remplie et pas qu'il nous fasse un coup de DLC par exemple, ça serait vraiment très malvenu. Mais voilà, il y a quelque chose à faire. On va pas se contenter de 6 boss sur cette grande map. Cette grande map, il y a de la varap, il y a plein de choses qu'elle va pouvoir nous permettre de faire, de découvrir et de réaliser. Donc on est plein de désirs encore, et les réponses, je vous les donnerai dans un autre stream, où je ferai un résumé, en essayant de pas trop spoiler ce qui s'est passé et ce que j'ai découvert dans le jeu. Voilà, merci d'avoir suivi ces reviews, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, et sinon vous avez la playlist généraliste et la playlist des shmups. A tout bientôt, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao.